Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Lunchmat avant de Rai, Ben Israël, Veveni David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvorah Batester. Si vous souhaitez vous aider à notre prochaine étude de Mishnah, quoi, telle 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui Maser Tkvot, Perek, Yud Gimel, Mishnah Gimel, Admon Omer, Shiva, Mishemet Veniach, Banim, Uvanot, Bizman, Shani Hassim, Erobeina, Banim Yoshin, Vabanot, Nizonot, Ubani Hassim, Moatim, Abanot, Izonu, Vabanim, Yechazu, Alaptachim. Admonomer bijvil shani zachar ifsadati. Amar Rabban Gamliel roe ani et divrei admon. Vous vous rappelez au début du péril qu'on a introduit, qu'il y avait les Dayene Xerot, Shne Dayene Xerot. Il y avait deux juges qui ont fait plusieurs décrets à Yerushalayim. Un qui s'appelait Admon et Hanan Ben Avishalom. On avait commencé avec les Takanot de Hanan et il y avait le 2-0 de Hanan, c'était une Mishnah Aleph et Bet. Et maintenant, on va commencer Admon Omer Shiva. Admon a décrété 7 décrets à Yerushalayim. On verra ce qu'ils sont retenus pour la Lacha ou pas, ça c'est plus discuté. Certains oui, certains non. Le premier décret c'est quoi? Mishemet Vehiniach Banim Ovanot. Quelqu'un qui décède, un homme qui décède et qui laisse des garçons et des filles. Alors la Mishnah m'enseigne. D'abord, je traduis la Mishnah pour on va expliquer le principe. Vous connaissez déjà, on en a déjà parlé plusieurs fois. On va refaire le point dessus. Bizman j'en ai chassim merubin. À partir du moment où il a laissé beaucoup de biens, hein, alors quoi? Abanim yurshim. Les garçons héritent de leur père. Et ve'abanot nizonot. Tandis que les filles sont nourries à partir des biens du père. Elles héritent pas les filles s'il y a des garçons. Mais en tout cas, elles sont nourries à partir du bien parce que c'est comme ça qu'il écrit dans la Ktouba. Ou ben chassim mo'atin. Par contre, s'il n'avait pas beaucoup de biens, il a laissé des biens restreints. Alors là, attention. Abanot izonu. Les filles, elles seront nourries à partir des biens qu'il a laissés. Et les garçons iront faire la manche pour nous pour manger. Et peut-être qu'on sort. Là déjà, on explique. C'est très simple. On a déjà évoqué. Bimkom shayesh banim en abaturoshet. À partir du moment où il y a des garçons, la fille n'hérite rien. S'il n'y a aucun garçon, la fille hérite son père. Les filles, elles se partagent entre eux. Mais si jamais il y a des garçons et des filles, il n'y a que les garçons qui héritent et pas les filles. Maintenant, malgré tout, le père s'engage à, dans la Ktouva, il s'engage aussi que toutes les filles seront nourries jusqu'à qu'elles vont devenir adultes ou jusqu'à qu'elles vont être prises et mariées à des hommes, à d'autres hommes. Donc en fait, on s'est engagé, le père s'est engagé à nourrir ses filles par le Tnaï Ktouva. Alors maintenant, la Mishnah nous propose maintenant deux situations. La situation optimale, que le père décède en laissant plein de biens. Alors là, dans ce cas-là, écoutez, c'est très simple. Les biens, ils reviennent aux garçons, et les filles, elles sont nourries à partir du bien, des biens. C'est-à-dire que les garçons ne peuvent pas s'amuser à dilapider tous les biens, par exemple, parce qu'ils sont quand même engagés de les laisser, de les faire fructifier, pour nourrir à partir d'eux les filles. Et on nourrira toutes les filles, selon le Tnaï Ktouva, comme ça a été explicité dans la Ktouva. Problématique maintenant, c'est lorsqu'il n'y a pas assez de biens, il y a très peu de biens. Petite discussion dans le Barthénois qui rapporte deux avis dans selon le Rambam, est-ce qu'il s'assuit, est-ce qu'il faut qu'il y ait au moins de quoi nourrir pendant un an, ou il n'y a même pas de quoi nourrir pendant un an, ou de quoi nourrir jusqu'à qu'elles vont toutes devenir adultes. On va calculer combien ça fait. On va prendre le premier avis qui nous dit pendant 12 mois. Il n'y a pas de quoi nourrir pendant 12 mois, il y a de quoi manger pendant 9 mois uniquement. Alors en théorie, les garçons ils héritent, et ils ont une dette pour les filles, et donc dans ce cas-là on laisse les garçons hériter, et puis doucement jusqu'à que... qu'on va arriver, qu'il n'y aura plus de quoi payer, et puis chacun se débrouillera. Mais sur ça, vient Tanakama et me dit, non, on va faire autre chose. On va faire que les filles, elles vont être nourries, et les garçons, ceux qui vont faire la manche. Parce que, en théorie, il va falloir, quoi qu'il arrive, il va falloir aller faire la manche. Et il n'y a pas de quoi manger, donc il va falloir aller faire appel aux karnot de Tzedaka. La question, c'est qui doit aller faire la, demander la Tzedaka. Alors, selon Chachamim, ils disent, c'est pas digne que les filles, elles vont, elles, partir... ramasser l'argent, c'est pas du tout de sa noix. Il va y avoir des tas de problèmes qui vont se passer, des ragots, des rumeurs. C'est pas les filles, on les laisse à la maison et c'est les garçons qui vont partir, eux, taper aux portes. Ça, c'est le premier avis. Sur ça, Admon Omer, il nous dit non, quoi, Bishvil Shani Zachar Ivsadati, parce que je suis un garçon, j'ai perdu. C'est quoi cette histoire? Moi, j'hérite, et moi, avec ce que j'hérite. Je nourrirai mes sœurs jusqu'à que j'ai plus de quoi. Ben, dès qu'il n'y aura plus, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? C'est la rétorque de Admon.
Il n'y a pas de raison de pénaliser les garçons parce qu'elle s'est passée bien, on les laisse hériter comme ce qui leur revient de droit. Et voilà. Et sur ça, Rabban Gamliel, Rabban Gamliel nous dit, Ro'e Aniat Divra Admon, je pense, je vois juste que la véracité, le tzedek avec les propos de Admon, mais la halakha n'est pas établie comme Admon sur ça, et que réellement, ce sont les filles qui reprendront les biens pour aller se faire nourrir, et les garçons qui ont tapé aux portes. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Tzlachot Tov Tzara.